The collapse of buildings is becoming rampant in the Cameroonian society. Une maison de 4 niveaux qui s'est effondrée. More than 33 deaths recorded in the economic capital of Cameroon is due to the collapse of a four-story building. In this disaster, once again, raises the issue of compliance with building standards. With the design builder Narcisse Kungan Kamdem, who reminds us the number of factors considered in building construction, like the need to consult a professional geotechnical engineer to study the soil and the good calculations of the dimensions of the foundation are necessities for a good building project. À trois niveaux. Donc il y a d'abord le plan de masse et le nivellement qu'on fournit par le dossier de construction. Maintenant, il y a un organisme de contrôle que vous rencontrez, qui est chargé de venir faire des sondages sur le terrain et qui vous donne des rapports. Après, maintenant, vous-même en tant qu'entreprise, vous allez faire également vos sondages sur le terrain et vous allez avoir vos rapports, que vous pourrez faire une comparaison. Maintenant, à partir de cela, cela va vous indiquer quelle qualité de fondation vous allez adopter. Donc, quand on parle de fondation, on peut avoir des fondations profondes. On va vous parler des puits, des pieux. Il y a des fondations semi-profondes, il y a des fondations superficielles, il y a des radiers générales. Donc ça veut dire que si quelqu'un décide de construire, par exemple, dans une zone marécageuse, tout se fait à base des calculs. Donc en fonction des calculs, il saura quelle qualité de fondation il peut adopter. Si c'est une fondation profonde, si c'est un radier général, ainsi de suite. Donc le choix du sol pour une construction, non. Ce sont des calculs, tout c'est le dimensionnement. Et généralement, la personne chargée de cela, c'est un géotechnicien. Parce que c'est le géotechnicien qui fait une étude de sol. Quand on parle d'un organisme de contrôle, donc vous savez que vous allez dans un laboratoire, peut-être au labo génie, vous le rencontrez, vous leur faites une demande, que vous voulez construire une maison, peut-être dans la zone de Simalem, ils vont vous demander les caractéristiques. La maison fait quelle surface? C'est à combien de niveaux? Est-ce que c'est à 8 niveaux? Donc là, ils vont aller sur le terrain et ils feront des sondages. Ça, c'est le rôle du géotechnicien. Une fois qu'il a fini avec ses sondages, là, il va vous remettre. Maintenant, c'est vous, avec ces données-là, vous allez faire des calculs pour trouver ce qu'on a appelé la contrainte admissible du sol. Donc, savoir ce que la structure peut porter. Dès que vous avez ces informations-là, vous définissez la fondation que vous allez adopter. Vous pouvez opter pour une semelle filante, vous pouvez opter pour une semelle isolée. À partir de ce moment, peu importe le bâtiment que vous devrez faire, il n'y aura pas de problème. Donc le sol en quelque sorte n'a pas de problème. Tout c'est un problème de dimensionnement. Si vous avez bien dimensionné, vous allez savoir exactement quel est le type de fondation que vous allez adopter. Mais toujours est-il, il faut rencontrer un géotechnicien, dont les gens du laboratoire sont chargés d'étudier le sol. Parce que si vous ne le rencontrez pas, vous ne saurez jamais si le sol que vous avez est de bonne qualité. The area in which a building is built can sometimes be one of the factors that lead to its collapse. But also, dishonesty of some engineers, like the mismanagement of some building materials, might be a problem and a cause to the collapse of buildings as well. Il faudra même R plus 3. Bon, quand on dit R plus 3, c'est 4 niveaux, non? R plus 3, qui va, le bâtiment tombe à la longue. Mais quelqu'un va aller dans une zone marécageuse. Il va même construire un bâtiment à 11 étages, ça ne va pas tomber. Il suffit qu'il réalise bien ses calculs. Il fait un bon sondage de sol. Il ne se trompe pas sur la fondation adoptée. Parce que si vous arrivez dans une zone où il faut faire, par exemple, un radier général et que vous réalisez une fondation profonde, le bâtiment ne doit pas tenir. Ça va tomber à la longue. Donc, chaque chose doit être mise à sa place. Quand il y a un problème, le toit est partagé entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Oh, il y a des techniciens qui ne sont toujours pas honnêtes. Je ne vais pas dire ça comme ça. Un technicien viendra vous dire qu'il veut peut-être utiliser les fers de 12 pour une construction. Prenons l'exemple de ceux qui sont à l'étranger. Parce que si vous êtes à l'étranger et que vous décidez de faire une construction au pays, là, il faut être sûr que vous avez quelqu'un sur place. Parce qu'une fois qu'on a coulé un poteau, vous ne saurez jamais le fer qui est à l'intérieur. C'est fini. Donc c'est jusqu'au jour où le bâtiment va tomber que vous saurez que dans le devis qu'il m'avait envoyé, il avait bien parlé des fers de 12. Mais là, je vois les fers de 10. Bon, cela dépend de vous, vous pouvez le poursuivre. Donc c'est pour ça que quand on réalise un bâtiment, de façon générale, il faut un délai de garantie. Donc c'est ça qu'on parle de réception provisoire. Non, il y a deux, il y a la réception provisoire et la réception définitive. Voilà, la réception provisoire, vous lui donnez une partie de son argent. Vous lui dites peut-être que si dans 3 ans, le bâtiment n'a pas un problème,
Ils vous donnent le reste de votre argent. C'est un peu comme ça. Donc les techniciens, il y a des techniciens malhonnêtes. La majorité sont comme ça. Mais c'est vous, le maître d'ouvrage, qui devrez surveiller votre travail. Sauf si vous faites confiance à la personne. Every building has a lifespan depending on the depth of its foundation. The main factor is equally the load of the building on its foundation. For indeed, a building is built to support a specific load. Bon, quand on parle de durée de vie du bâtiment, tout dépend, hein. Tout dépend de ce que vous voulez construire. Parce qu'on peut avoir au moins 5 durées dans la vie du bâtiment. On peut avoir, quand on veut construire pour les structures provisoires, c'est-à-dire que vous pouvez arriver dans un chantier, par exemple, vous décidez de construire, quelqu'un peut décider de construire une maison, vous pouvez avoir votre terrain de 500 mètres carrés. Bon, vous n'avez pas encore les moyens pour construire la maison de vos rêves. Vous décidez peut-être de construire un studio ou un appartement dessus. Donc, si vous construisez un studio ou un appartement dessus, ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être opter pour une structure provisoire. Donc, vous allez faire une simple maison. Et cela peut durer jusqu'à, peut aller peut-être jusqu'à 10 ans. Maintenant, il y a les éléments de structure remplaçables. Donc, vous construisez un bâtiment ou à la longue là, vous allez peut-être enlever pour mettre autre chose qui peut aller à 15 ans. Maintenant, il y a les structures agricoles qui peuvent aller à 25 ans. Maintenant, il y a les structures de bâtiments, un peu comme celui-ci, que quand on le dimensionne, c'est au moins 50 ans. Maintenant, il y a les structures monumentales de bâtiments. À l'intérieur, on va retrouver les grands ponts que vous voyez là, les ouvrages d'art, les dalots là, qui vont jusqu'à 100 ans. Donc la durée d'un bâtiment est fonction de ce que vous avez en vue. Vous pouvez décider que vous voulez construire un bâtiment qui va durer 5 ans parce qu'après je vais voyager. Vous pouvez décider qu'il faut que ça dure 100 ans parce que même si je voyage, je vais laisser à quelqu'un derrière moi. Donc tout dépend de vous. Laying a good and strong foundation is the key to a strong and long-lasting building. Likewise, if the building norms are not respected, may lead to its fall.